Et salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo de présentation. Alors avant toute chose, j'aimerais vous préciser que c'est mon premier montage, donc il y aura certainement des erreurs de cadrage comme des erreurs de qualité vidéo. Sur ce, bon visionnage. Alors premièrement sur ma chaîne, on pourra retrouver évidemment du Minecraft, dont ici une aventure hardcore avec Drakuart qui n'est autre que Kinoda. Donc une aventure hardcore à prévoir sur Minecraft. Mais aussi des visites de map, comme ici une map médiévale que je ferai en solo ou en multijoueur. Et aussi une aventure suivie normale avec Nicosse 2302. Et ensuite un très gros gameplay qui nous attend, vous l'aurez sûrement reconnu au graphisme, c'est Borderlands 2. En ce qui concerne les personnages, je me tâte toujours et je verrai bien de quel côté je pencherai au moment voulu. Ce jeu nous promet de très très bons moments à passer ensemble. Et ensuite, qui dit PC dit évidemment Skyrim. Comment passer à côté de ce jeu magnifique? Alors je peux vous le dire, on le finira en long, en large et en travers, que ça soit les guildes, les quêtes de conquête, petit jeu de mots. Ce jeu nous promettra aussi des très très bons moments, il n'en restera rien, on va le sécher. Skyrim. Et ensuite, vous aurez sûrement ou peut-être reconnu cette église ou archipel, c'est celle de Diablo 3, un autre très gros gameplay qui nous attend sur la chaîne, avec ici Diablo. Waouh. Cela nous promet aussi d'être très bons. Entre parenthèses, désolé pour la qualité. Ensuite, on aura aussi une campagne complète solo sur Sniper Elite V2. Je passerai aussi peut-être par le multijoueur en présence également de Nicosse 2302. Autre détail, désolé pour le cadrage de la vidéo. Ensuite, on se retrouvera sur un jeu que vous reconnaîtrez sans doute tous, mais que vous serez nombreux à me huer car je n'y ai jamais touché, je ne m'y suis jamais attardé, mais j'y ai vraiment envie de commencer. Donc nous nous attarderons sur World of Warcraft Mist of Pandaria. Normalement, ce jeu se fera en la présence de Kinoda. Ensuite, on se retrouvera pour un jeu que vous n'êtes pas si nombreux que ça à connaître. C'est un free-to-play sur Steam, je parle bien sûr de Trips Ascend, qui est pour moi un très bon jeu. Encore une fois, veuillez m'excuser pour le cadrage et la qualité vidéo. En
Ensuite, on se retrouvera pour de l'horreur gaming. Bien entendu, sur Slender. Nous découvrirons tous les types de Slender possibles. Mais attention, ce n'est pas tout. Désolé pour ceux qui lui ont peur. Nous aurons aussi du Amnesia. Je n'ai jamais touché à aucun des deux jeux, mais c'est deux jeux qui me plaisent vraiment et qui vous plairont vraiment. J'en suis persuadé. Ensuite, on se retrouvera pour du rétro gaming, ici avec Tony Hawk's Pro Skater 3, qui est un jeu sorti en 2002 et qui, depuis tout petit, me tient particulièrement à cœur. Et vu que maintenant j'en ai l'occasion, eh ben, je vais vous le faire partager. Peut-être que cela remémorera des moments pour certains qui sont comme moi,